Et bien bonjour à tous les amis, c'est Moustache et aujourd'hui on se retrouve dans du Sapper Simulator. Donc c'est une exception hein, parce que forcément il n'y a pas une mise à jour. Il y a eu un problème, donc du coup ils ont reporté la mise à jour à lundi. Mais je voulais quand même faire une vidéo Sapper Simulator avec vous parce que j'ai presque un rainbow. Enfin deux rainbow, mais bon l'autre je pense qu'il va être un petit peu plus compliqué à avoir parce que c'est pour les dragons. Donc du coup bah le Blue Bear j'ai presque en rainbow et j'avais trop envie de le découvrir avec vous, ça c'est clair. J'avais trop envie aussi pour voir si je peux m'acheter la prochaine classe ou pas, comme ça on va farmer ensemble. Donc du coup bah j'ai pas mal farmé les couronnes et les sucres d'orge, hein. Comme vous pouvez le voir j'ai la dose 293B, pardon pas 297, moi je voyais plus haut tu sais, j'espérais avoir plus haut mais non ça marche pas comme ça. Non du coup j'ai 293B et j'ai 10 000 de sucre d'orge, donc du coup bah voilà ça fait déjà pas mal hein. J'ai envie de dire. Donc du coup bah, on va commencer par s'ouvrir les œufs bah, en sucre d'orge. Moi j'ai envie de voir directement ici. Bon je pense pas avoir énormément de chance hein, mais bon on sait jamais. Donc c'est parti, attention qu'est-ce qu'on va avoir. Ouais bof. C'est pas j'ai toujours les mêmes en fait. À chaque fois que j'ouvre ces œufs j'ai les mêmes. Ouais non. Et en plus j'ai eu zéro shiny quoi. Attends. Je crois que j'ai plus de place, c'est ça? Ah bah non, mais c'est parce que je peux plus ouvrir 3x3, j'ai plus assez. Bah voilà, suffit court mais bref, hein, cet œuf, ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Du coup, alors attends, faut que j'aille ici, je crois. Il me semble. Ouais, c'est celle-ci. C'est celle-ci, donc du coup, bah c'est parti, on va ouvrir les œufs. J'espère avoir de la place, j'ai pas fait gaffe, mais bon, c'est pas grave, on y va à l'improviste. Et maintenant, je vais viser les dragons et les bluebeards pour les faire vraiment en rainbow. Je veux absolument mon rainbow, de toute façon. Je le veux, je le veux, je le veux. Il me manque, je crois, 2 shiny de bluebeard et il me manque 4 shiny de dragons. Donc, maintenant, il faut espérer les dropper en shiny directement pour que ça aille plus vite, hein, plutôt que faire les golden. Mais bon, sinon, tant pis, j'aurais pas le choix. Hein, faudrait que je passe par les golden. Alors j'ai beaucoup de fois aussi le miner, donc j'ai gardé aussi le miner, j'en ai gardé plein au cas où je puisse faire un rainbow, ce qu'on sait jamais. Du coup je garde juste quand j'en drop en shiny les miners. Tout ce qui est bluebeard et dragon, je les garde aussi pour faire des golden, comme ça on sait jamais. Enfin surtout les bluebeard, du coup tu peux faire des shiny plus rapidement vu que t'en as plein, c'est bon quoi. En tout cas là pour l'instant j'ai pas beaucoup de chance. Puis oui j'ai oublié de vous dire en plus c'est ma faute, je vous ai même pas dit que j'ai eu le dernier pet. J'ai eu le school, alors attends, ah oui c'est vrai on peut pas montrer là. J'ai eu le school, c'est celui-ci. Et il est trop délire, regardez quand il se déplace. Il y a une ombre, ah je la trouve trop stylée. Bum bum bum, ah c'est trop cool. Je l'adore. Bon j'ai fait de la place dans mon inventaire pour être sûr d'avoir de quoi ouvrir plein d'œufs. Donc c'est parti. On va les ouvrir à la chaîne en espérant avoir beaucoup de chance. Bon, déjà, j'ai deux bluebeards. Ça va. Il y a pire. J'en ai un. Allez, un shiny. On fait un shiny. Un shiny bluebeard. Ah, j'ai beaucoup aussi de fois la bûche, là. Oh, j'ai un Dominus Claves. Trop cool. Alors, j'en ai fait deux golden de Dominus Claves. Et puis aussi, le dernier, alors, au niveau force, il est moins fort que ceux que j'ai en shiny. Par contre, au niveau couronne, il fait x128. C'est énorme. Franchement, enfin 128, c'est énorme. Et du coup, bah, les Dominus Clave que j'ai en golden, ils font x112.5, je crois. Et c'est pareil, c'est énorme, quoi. Du coup, les couronnes, ça va assez vite quand tu fais le boss. Là, tout à l'heure, j'ai fait un boss sur 6000 de vie. Voilà, 6000 de vie. Et sur 6000 de vie, j'ai réussi à avoir presque 4B ou 5B. Il y avait d'autres personnes avec moi. Donc c'est énorme. Allez, on veut le shiny, on veut faire le rainbow. Moi j'en peux plus, hein. Depuis le temps que je ferme et que j'ouvre les œufs, franchement j'en peux plus, je veux mon rainbow. Hein. Allez, un shiny. Ah non, ça fait toujours pas, hein. Le jeu il est radin. Hein. La radinerie du jeu à donf. Allez. Oh non, en plus j'en ai plein de bluebeard. De toute façon, le but dans cet épisode, ce sera vraiment d'utiliser toutes mes couronnes pour ouvrir des œufs. Donc, si j'ai pas de shiny ou de rainbow, je comprends pas. Là je suis obligée au moins d'avoir un rainbow. C'est obligé. Après, pour le dragon, si j'arrive à l'avoir, c'est encore mieux. Mais ça m'étonnerait pour le dragon. Mais
Mais au moins, on peut espérer d'avoir d'autres shiny. C'est, par exemple, le Dominus Clave dans sa shiny, si je pourrais l'avoir, ce serait un petit peu pété quand même. Parce que je pense qu'il est pas mal au niveau des stats. Du coup, bah, on va continuer de faire les golden. Du coup, j'en suis à combien de golden là? J'en suis à. Bah, j'en ai que deux. Trois. J'en ai trois golden. Oh, dommage. Putain, je peux pas en dropper un directement. Shiny, ce serait tellement plus simple. Bon, j'ai eu pas mal de Bluebeard, donc quand ce sera fini, là, je pense que là, pour le coup, je vais l'avoir, le Rainbow. Par contre, maintenant, faut que je vise les dragons. Hein, maintenant, c'est la priorité maximale, on va dire. Parce qu'il faut le Shiny Dragon, enfin, le Shiny, le Rainbow Dragon. Mais en tout cas, le Bluebeard, là, je suis quasi sûre de l'avoir en Rainbow. Donc, c'est parti. On va aller dans Animaux Domestiques. On va faire tout combiné. Allez, 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 allez. Attends, il est où? Il est où? Oh, il est là, mon Regbo. Il fait combien? Il fait combien? 172 et 105, 115. Ça va, c'est pas dégueu. C'est tellement pas dégueu. Du coup, il fait plus de couronne que mes Golden Dominus Clay. Mais bon, d'un côté, il est en Rainbow. Je pouvais pas espérer avoir plus de stats. Mais bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà énorme. Par contre, le brillant, là, enfin, le dragon en Rainbow, là, par contre, ça va péter. Ça va complètement péter. Donc, du coup, bah, je vais déséquiper le Golden Dominus Clay pour mettre le Rainbow. Alors il est là, bim, bim. On va le voir changer de couleur. Oh, je suis tellement trop contente. Oh, voilà, enfin Rainbow. Depuis une éternité que je n'ai pas fait un Rainbow sur un œuf. Oh, c'est trop cool. Bon, bah maintenant, bah, on est obligé de farmer pour le dragon. Maintenant, on peut qu'espérer d'avoir des shiny de dragon pour aller plus vite. Hein, parce que bah, là, ça va prendre du temps quand même, le dragon. Puis ça va prendre de l'argent aussi, parce que les couronnes diminuent extrêmement vite. Donc, si je pouvais avoir un shiny, ça aiderait, quoi. J'aimerais tellement l'avoir dans cet épisode, le dragon. Ce serait vraiment cool qu'on regarde ensemble les stats et tout. Parce que quand je découvre toute seule, du coup, c'est moins drôle. Alors que quand je partage avec vous, c'est mieux, quoi. Bon, là, du coup, on arrive au 100B de couronne. Il me manque plus que deux shiny en dragon. J'arrive pas à en avoir un shiny. C'est affreux parce qu'en plus, j'en ai quasi pas, du coup, dans les œufs quand je les ouvre. J'en ai quasi pas de dragon en plus. Donc du coup, bah là, je pense que ça va prendre pas mal de temps pour les dragons, parce que même si je drop pas un shiny, à mon avis, c'est mort, parce que tant que je fasse tous les golden pour avoir deux shiny, voilà quoi, il m'en faut quand même presque 200, donc, enfin même c'est 200, parce que du coup, il me faut 10 golden pour, et 10 pets pour faire 10 gold, enfin un golden, et du coup, il me faut 10 golden pour faire un shiny, voilà, c'est énorme. C'est complètement énorme, donc du coup, je sais pas si ça va être possible aujourd'hui, sauf si je drop un... Si je drop un shiny, là, ça aidera. Là, ouais, ce serait plus possible, mais là, non, ça... Voilà. La chance ne veut pas. Oh, puis j'ai un shiny Bluebeard, mais passe-moi le shiny dragon. Bon, les amis, j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'en fait, j'ai reçu pas mal de shiny de miner. Donc, du coup, en fait, j'en ai 9 shiny et il m'en manque un seul. Pour avoir le rainbow. Donc du coup j'ai... Enfin il me semble que j'ai 9 shiny. Attends, j'en ai 1, 2... Attends, est-ce que j'en ai un plus haut? Oui. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et du coup bah j'ai 8 golden je crois. Donc du coup il m'en manque 2. Pour pouvoir faire un shiny. Donc du coup le rainbow. Et à mon avis là ça va être pas mal. Bon du coup ce sera pas le dragon. Parce que le dragon avant que je l'ai, voilà. Mais par contre je pense que le miner ça va être beaucoup plus faisable. Parce que je l'ai énormément de fois. Contrairement au dragon qui non lui il veut pas venir. Lui le dragon il sent pas les steaks et il est parti en vacances là et il va pas revenir. Je sais pas, ça bug avec le dragon, ça va pas me faire shiny ni rien. Bon logiquement les amis j'ai de quoi faire le golden miner. Attention, est-ce que ça me le fait ou pas? Attends. Oh ça m'a fait le rainbow. Oh trop cool. Attention c'est quoi ses stats? Oh la vache. Ah, ça me fait du 120 couronne et 238 en force. Oh la vache. Mais c'est tellement énorme. Du coup, bah en fait, il faut que je vire les deux. Alors pourquoi? Parce que je vise les couronnes et que j'ai un deuxième school. Donc déjà, je vais mettre le school. Ah, mais attends. Mais j'ai un Golden Venari. Mais je savais même pas, j'en ai autant. Ah la vache. Du coup, là, je vais prendre le Rainbow. Ah mais non mais du coup attends, le rainbow il sert plus à rien, ah si c'est bon, puisque c'est 120, c'est pas 128, c'est 120, ok, bon c'est bon, je me suis fait peur mais c'est bon, donc j'ai mon rainbow, oh cool, bon on va ouvrir le avec ce qui nous reste, hein, les œufs, hein, parce qu'il nous reste que 37 B,
On sait jamais, peut-être que je peux avoir un shiny d'un pet pété. Oh, j'ai un shiny dragon! J'ai un shiny dragon, j'y crois pas! Putain, je m'y attendais tellement pas. Alors maintenant, est-ce que j'ai assez pour faire le rainbow? J'en sais strictement rien. Si je fais le rainbow dragon, ce sera complètement pété. Contrairement au miner, il est à 4% de chance le dragon, donc il est beaucoup mieux. On va comparer déjà les stats de base du pet et du coup là je pense que quand on va le faire en rainbow ce sera beaucoup plus pété. Je sais pas si on va réussir à faire dans cet épisode. Si on le fait dans cet épisode ce serait vraiment 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 de la grosse chance. Mais voilà, on espère, on croise les doigts. On sait jamais, hein, la chance de Moustacho peut revenir, peut arriver, peut aboutir on va dire. Du coup les amis, il me manque plus que d'avoir à peu près 4 dragons, mais bon du final je vais refaire une fournée d'ouverture des œufs pour jusqu'à ce que j'ai plus d'espace ou plus de couronne tout court. Et logiquement je peux faire le shiny. Donc bien sûr faut que le jeu ne soit pas radin vers les derniers œufs que je vais ouvrir et du coup me filer des dragons. Maintenant là ça a pas l'air, en tout cas s'il me les file pas je vais rager, là je vous dis je vais rager. Parce qu'il m'en manque que dalle pour faire un rainbow. Ah mais il veut pas hein. Mais il veut pas ce jeu. Oh la vache, non mais tu vas pas me dire qu'il va pas me donner les 3 manquants. Non non mais non mais non. Il va pas me faire ce coup là le jeu. Ah attends, 2, donc il m'en manque plus que 2. 3, allez. Allez 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 allez, un petit dernier. Oh mais la radinerie du jeu. Tu vas pas me faire croire que là alors qu'il me reste 4 B je vais pas les avoir. Allez, 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 allez. J'y crois tellement. Non, mais non, mais non. Tout, mais sauf ça. Il va pas me faire ça, le jeu. Oh, bah si, il l'a fait. Il l'a fait. Oh. Attends, je crois que j'ai pile. Je crois que j'ai pile. Attends, on va essayer. Est-ce que ça me l'a fait ou pas? Oh yes, ça m'a fait le rainbow. Alors attends, j'ai pas comparé les stats des pets, voilà, mais bon, c'est pas grave, on s'en bat les steaks. Maintenant, j'ai pas de shiny, du coup. Attention, on va comparer avec le rainbow ici. Dis-moi qui est le plus pété, allez. Oh la vache! Donc je passe de 238 à 279, et puis après, bon, au niveau des couronnes, je passe à 122. Écoutez, quitte à farmer la force et les couronnes, autant enlever le school parce que du coup niveau force il fait moins. Et autant mettre le rainbow dragon. Oh j'y crois pas, j'ai réussi à faire 3 rainbows dans cet épisode quoi. Le farmage à l'état brut. Et du coup j'ai que des rainbows avec moi. Monsieur stylé, regardez-moi mon équipe. C'est trop cool. Ah le rainbow il est trop cool. Enfin le dragon il est trop cool en rainbow. Oh j'adore, par contre combien je fais en couronne. Attends on va aller sur le boss. Déjà niveau fort je fais 16S. Et alors le boss il a combien de vie? Il a 6150. Alors du coup attends, là déjà ça augmente énormément. Alors avec 700 coups je crois j'étais à 1B. Donc là faut voir quand je vais atteindre les 1B. Je suis déjà à 300 millions. Presque 400 parce que ça augmente à vitesse grand V. Mais c'est trop cool. Ah je suis tellement contente, si vous saviez à quel point. Parce que j'ai passé du temps à farmer quoi. Allez j'ai presque les 1B. J'ai presque les 1B. Je suis à 700 millions. Et je suis à 400 coups. 800. 900. Allez. Allez, 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 allez. Du coup, les 1B, je les ai à 500 coups. C'est énorme. Franchement, c'est vraiment énorme. Là, on va pouvoir farmer à donf les couronnes. En fait, ce que j'appréhende et ce qui me fait peur, c'est que je me dis, ça se trouve, le pet que je vise en rainbow, il sera complètement nul, contrairement au pet que j'ai. Ça me fait un petit peu peur, parce que du coup, je serais tellement dégoûtée. Parce que le temps que j'ai farmé pour ça, bah, ça m'aurait tellement dégoûté. Du coup, bah on va voir. Hein. Du coup, j'ai un shiny fungus, mais moi, je veux le shiny bluebeer. Putain, j'espère vraiment qu'il est pété au niveau de ses stats en rainbow. Au moins pour les couronnes, quoi. Que ça aide à avoir encore plus de couronnes. Parce que faut que ça augmente hyper vite, quand même. Bon, et bien, écoutez, les amis, on va s'arrêter là sur cet épisode de Saber Simulator. Je referai un épisode, du coup, lundi pour la mise à jour que je vais découvrir avec vous. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!